Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la troisième partie de test Majine Vegeta Dokkanfest Intelligence. Face au mode Akeshin, il y aura trois niveaux, face à Liquir qui était là, et Vermouth hein, du coup pour partir sur un sur le boss le plus difficile et on sera en neutre, hein, et en plus l'ennemi est super, donc vraiment Majine Vegeta n'est pas gâté dans cette game, et bah, vous allez voir que... Voilà, hein. Cela étant dit, il y a une des games qui est passionnée, mais je crois que ce sera la première, normalement. Je me sens que c'est face à Liquir, vous allez voir, c'est incroyable. Hein. On a enchaîné la passion, ça va être de la folie. Je vous retrouve juste après pour faire une petite conclusion. On y va. Liquir, 600 000 PV, c'est pas mal ça. Ah, ouais, c'est une première rotation plutôt pas mal. C'est tellement sale. Bon, let's go. C'est parti. Alors, voilà, j'ai pas pris les 20% de réduit parce que je voulais garder des ki. Ah, quand même, hein. Bon, après, j'avais pas attaqué, hein, évidemment, mais... J'avais pas attaqué, pas full réduc, et puis il debuff la def. Bon, bah... En vrai, c'est pas si mal, hein. Après, quand on prend tout ça en compte... Bon, Liquir, il peut partir plusieurs fois en spé, hein, il me semble, hein. Oui, mais évidemment, en plus, le boss est super, donc évidemment, on est... On n'est pas trop gâté à ce niveau-là, mais enfin bon. Non. Alors d'ailleurs, Vegeta Evolution, oui, double lead 200%. Oh putain, le Vegeta de la Passion. 1.3, 337 KDF. Oui. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, full réduc. Oh là là. Oh, cette rota va être sale un peu, hein. Oh là 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 là, ça... Ouais, ça sent pas bon, Liquir, hein. Ça a piqué, hein. Ouais, ouais, ça commence à mettre des petites esquives. Non, mais on veut pas esquiver, en fait. Ça nous intéresse pas des masses, vois-tu. On veut pas esquiver, nous. Aïe. Allez, Vegeta Evolution. Allez, j'ai pas de doublon. Hein. J'ai pas de doublon sur Vegeta Evolution. Pas de doublon. On n'a pas de doublon, donc c'est pas mal. Hein. Bon, Liquir, vas-y, fais ta spé, frérot. Ok, bah ça tombe pas trop mal, parce qu'on est, on a stack la réduc, donc en vrai... 6 800 000, le Vegeta de la Passion Intelligence. Alors là, par contre, il y a une anomalie qui s'appelle Trunks. Voilà, il faudra que je régène un peu les PV quand même, parce que... Après, ça va, il n'y a qu'une attaque dessus, en vrai, ça va. Bon, là, il y aura le nombre d'attaques suffisant, mais bon, après, le boss sera quasiment mort, quoi, donc... C'est ça le problème en fait, hein, c'est... Oh putain, 4 ki, ouais, Trunks Ikari, s'il te plaît, frérot, te fais pas one shot, s'il te plaît. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît, ne meurs pas, fais quelque chose. S'il te plaît. Boum. Bon, Vegeta GT là, qui va exploser. Ah non. Enfin, quoique... Quoique, c'est peut-être pas si mal en fait. C'est peut-être pas si mal parce que comme ça j'avance pas trop vite dans le combat. Bon, Trunks Ikari, attention. Waouh. Incroyable. Hein.
Incroyable mais vrai. Alors là, avec le support, quasiment 200 KDF le Vegeta Evolution. Sans doublon. Bon, est-ce qu'on tient le tour, là? Enfin, après, s'il fait 2 spé, non, quoi. J'espère qu'il va pas balancer 2 spé, quoi. Si on met qu'une, c'est bon, mais... Ah, imagine. On y va, let's go. Ouais, c'est quand même cool que la condition, ça soit Trunks, c'est pas Trunks enfant, parce que... Dans certains cas, bah, ça permet quand même d'avoir le bonus, quoi. Qui n'est pas un bonus négligeable. Bon, de toute façon, au prochain tour, ça va exploser. Vegeta Evolution. Bon, il va pas lui rester grand-chose, hein, en fait. Hein. Ouais. Bon, la CP va tomber, là, je la sens. Elle arrive. Là. Je vous l'avais dit, hein, je vous ai prévenu. Hein. Mais ça tanque bien puisque on avait. Enfin, heureusement qu'on avait pris notre réduction, hein, parce que sinon. Ça aurait été un petit peu compliqué malgré tout. On a le Fukatsu. Ah ouais, mais là, il y a trop de passion en jeu là. Ça me restait un PV. Ah non. Ah si. Et voilà comment on obtient l'ultime trait ZLR. Un PV, parce que oui, hein, évidemment. 18% de perte de PV, donc vous connaissez en dessous, bah 1 PV. Eh oui. Eh oui. Eh oui, l'ultime trait. Ah oui, mais attendez, encore, attends. Oh là là, la passion n'a aucune fin. Eh ben, franchement là, c'est on a rarement autant enchaîné. Hein. On a rarement autant enchaîné. Hein. Bon bah allez, on kill avec, hein, évidemment. Allez, des bisous. Ciao ciao les couilles, hein. C'était cool. À bientôt. Bref, bon bah écoutez, quel game, hein, quel game, c'était cool. Prends le 13 ZLR. Non, tranquille. Pour faire les. Enfin, pour prendre les 6 attaques en vrai.
Alors, c'est bon. On a les 6 attaques. On a large de 6 attaques. Bon, par contre, j'ai pas mes 6 ki. On va en prendre 3, c'est pas grave. Hein. Pas pourvu qu'il esquive pas trop, quoi, mais... Enfin, le note... Bon, après, normalement, non. Y a pas de raison, mais bon. Avec 5 points d'esquive, a priori, non, mais... Donc, comme le jeu aime bien me troller... Va savoir. Ok, la double spé. La double spé de Vegeta, bien sûr. Ok. Allez, quittez là, ça sort la spé quand même, là, non? Non? Ah, bah voilà, esquive. Non. Il debuffe la def aussi, je crois, lui, hein. Ah non, il debuffe pas la def. Ah, je crois. Ah ouais, non, bah oui, bah là. Ah oui. Bah zéro, hein, bah évidemment, bah oui. Ah zéro, hein, oui. Ah, mais sans le debuff de def, laisse tomber, hein, le perso, tu le touches pas, hein, c'est. Parce que tout à l'heure, on prenait des dégâts parce qu'il debuffait la def, hein, sinon, bah oui. Bah là, ça va être totalement de cheat alors, laisse tomber. Hein. Et je rappelle que j'avais pas pris la full réduction, hein, pour rappel, mais enfin bon. Bon bah très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va prendre ça. Vegeta Evo qui va se contenter. On va faire ça parce qu'on va laisser le Vegeta de la passion partir. Partir en ultime. Ouais, Vegeta Evo. Ok, bon, ça prend quelques dégâts, mais pas grand chose. Le Vegeta de la passion. 6 500 000, presque. Avec un petit critique, comme on aime bien. Non. J'ai rien dit, j'ai rien dit. L'aspect qui tombe, ça va pas taper grand chose. Hein. Non. Bon, ok. Très bien. Ah bah là, oh là 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 là, bah oui, bah oui les gars. Bah écoutez. Aïe 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 aïe. La perte de PV qui est ici totalement dérisoire vu qu'on va régène de toute façon. Elle est pas du tout gênante. Oh là là, Vegeta GT il va se gaver là. Et Trunks Ikari qui ne. Oh là là, qui ne subit même pas d'attaque, c'est si beau les gars, franchement. Vas-y quittez là, vas-y pars en spé frérot, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y frérot. Oui. Mais oui, mais oui. Mais oui. Et encore, j'avais pas attaqué, je rappelle, hein, mais bon. On n'avait pas attaqué. Enfin, non, my bad. On a fait l'active skill, donc on a notre def tout de suite. Donc, bon, c'est aussi pour ça. Mais bon, bah, quoique. De toute façon, on aurait pris quasiment rien, même avant. De toute façon, on aurait pris que dalle. Voilà, la petite esquive de quitter là. C'est pas cool, ça. Ah, tu veux faire durer la passion? Mais non, mais ça va pas durer assez longtemps. Ça va pas durer assez longtemps, frérot, malheureusement. Parce que là, bon. Ça tape pas grand chose hein, ici, mais bon. Oh là là, mais ouais. Bah, écoutez, let's go. Hein. Let's go.
Alors ouais, Vegeta Evo doublonné, ça doit être quand même vraiment vénère hein, avec le lead à 200. Franchement, parce qu'on est vraiment typiquement sur le type de personnage qui est quand même un peu juste en défense. Ouais, laisse tomber. Hein. Allez, go! Alors, quittez-la, combien? C'est le mien, c'est en doublon, bien sûr. Ouais. Allez, Vegeta Evolution. Pas de doublon. Le Vegeta Xeno. Très cool hein, pour jouer dans les différentes teams, la famille de Vegeta. Vraiment très très cool. Non. Très très cool ce perso. Et on va faire ça pour aller chercher plus de liens. Pas sûr qu'il reste assez de ki pour Vegeta GT. Si, c'est bon. C'est bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Bon, le combat est peut-être terminé ici, hein, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Allez, 6,5 millions, le Vegeta de la Passion Intelligence. Let's go. 5,3 millions. Très bien, fort bien. Bon, à moins qu'il esquive, ça sent la fin. Vegeta GT pour le kill. Ah, l'aspect avant de crever qui va taper 0. Voilà, voilà, très bien. Bon, bah, c'est fini. Bref, donc voilà, les amis. Alors, écoute, on va faire un dernier truc, mais bon, en tout cas. Déjà, évidemment, sur les niveaux, on joue avec l'avantage. Bah, c'est 0. Hein, c'est, voilà, enfin, c'est 0. Il prend 0 le perso. Hein, c'est, voilà. Alors, Rota, potentiellement pas mal, mais ça dépend s'il y a du ki. Parce que là, pour le coup. Ah non, mais non, je suis con, on a combien. Quoi d'ici. Papa. Alors, c'est vrai qu'il ah non il m'a lo- ouais, mais il m'a ok il m'a loqué ma spé là. C'est vrai que ce boss est quand même très 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 pénible parce qu'on rappelle quand même que il peut bloquer l'aspect, il peut lock les rotas et il peut spé deux fois. Hein. Il est quand même extrêmement chiant ce boss. Hein. Alors c'est vrai qu'on a récupération avec Goku en jeu, c'est vrai. C'est pas bête. Bon du coup. On va prendre. Bah non, quand l'aspé est lock, tu prends pas ton effet spé. Non, bah non. Bah non, tu pars pas en spé, donc non. Bon, alors remarquez que c'est 0 loto, je suis sans doublon. On est en neutre. Bon, après, je vous l'accorde, on avait la full réduc. Mais bon, après 30, 50, après, ça veut dire qu'on aurait pas pris grand chose, quoi qu'il arrive. Bon, l'aspé sur Goku Ange, c'est. Bah non, c'était le... En fait, c'était le pire slot, hein. C'était le pire slot, hein. Parce que Gohan Ultime, bon bah voilà, pire slot, en fait. Pire slot, quel plaisir. Il y avait qu'une seule attaque, hein. Oula. Et voilà, donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, bon, la perte de PV, ça va assez vite. Alors là, par contre, cette rotation... Goten, alors fais voir Goten. Ah ouais. Putain, mais... Oui, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plein de persos comme ça qui sont vraiment... Enfin, tu prends Goten... Bon, après, il est à 100%, hein, qu'on se mette d'accord, mais... Goten Tech, bah, dans les teams précédentes, c'était vraiment chaud, parce que le truc démarrait un peu plus de 100k, et fallait stacker, mais là, le truc démarre à 160. Et vous voyez, c'est typiquement ce genre de persos qui sont grave intéressants à rejouer, parce que... Mine de rien, bah, on passe d'un truc qui était un peu moyen à un truc qui se défend vachement bien d'un coup, quoi, tu vois, genre. Parce que là, 160, mais après, il faut rajouter 50%. Donc, du coup, bah, vous rajoutez la moitié, donc, ça fait 80 000, il aura 240 000.
Bon, après, c'est pas non plus un truc de malade, mais c'est... Vous voyez, c'est pas mal, quoi. Alors là, 220 KDF, sachant que j'y mets... Non, mais alors là, c'est... Pff, laisse tomber. Là, c'est n'importe quoi, là. Alors là... Ah ouais, est-ce que... Ouais, non, bah non, parce que là, j'ai même pas la def, mais... Alors là, les gars... Bon. Là... Après, on peut voir... Alors, en plus, le Baji n'est rien dit. C'est un merci au mec qui a botté son truc, hein, mais bon. Bref, bon, là, c'est... Là, c'est n'importe quoi. Hein. Là, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, par contre, est-ce qu'on aura du ki Alors, contre Broly... Alors, pas zéro. Alors, Broly tape 1,3 million sur la, je crois, la dernière phase. Donc, pour tirer 50%, et après, il reste 750 000, donc moins 500 000. Donc non, on prend encore 250 000. Hein. Mais bon, enfin, 250 000 sur Broly, c'est que dalle, en fait. C'est rien, quoi. Sur Broly, 250 000, c'est zéro. C'est que, enfin, c'est pas beaucoup, quoi. C'est Broly, quoi. Donc, oui, c'est excellent, quoi. C'est... Sachant que si on fait une... comment dire? Si on fait une additionnelle, bah là, on prend plus que 140 000, hein, un peu moins encore. Hein. Donc là, oui, alors là, c'est exceptionnel, hein, c'est bon. Là, c'est sûr que c'est un délire, bon. Bon, bah, let's go, les amis, let's go. Ah, vas-y, tu peux spé. Tu peux y aller, hein. 7 800 000, merci les liens 10, hein, merci l'ami leader, beauté. Ah oui, je me suis trompé, oui, donc c'est encore moins que ça, en fait, oui, my bad. 650 000, donc, voilà. Donc, oui, non, bah, du coup, enfin, on prend encore moins. Donc, en gros, en double spé, on prend limite 0. 4 700 000 Waouh. Waouh, ouais. Ah, il est pas monté, hein, le tech. Hein, il est pas monté, hein, les liens sont pas montés. Hein. Ouais, non, mais... Oh là là, bah... Ah ouais, non, mais là... Quel bordel, sérieux. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant, là. Alors, par contre, le Goku, j'ai fait débuff la gueule, du coup. Donc ça, c'est pas très cool. Bon, deux ki rainbow. Ah bah là, le Majin Tech, il est content, hein. C'est clair que là, oui, c'est sûr. Et bon, c'est pour ça que monter le lien 10 des deux, c'est grave intéressant, parce que, bah, ils ont full lien. Et avec l'Ini Royal, bah, tu récupères ki plus 2, ce qui est moins gênant, et puis tu vois que t'es en Majin, de toute façon, il n'y a plus aucun problème. Ah, franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Allez, let's go. Pas de critique. La double SP. Sachant que j'ai que 2 en additionnel. Hein. J'ai pas de doublon. J'ai mis un petit équipement 2, mais. Bon, pas de SP. Allez, Goku Ange. Il va faire ce qu'il peut, le pauvre. Hein, mais. Malheureusement, bon. C'est fait des buffs la gueule, donc voilà. Bon, en vrai, ça va, c'est pas bien méchant. Trunks ou... Alors là, du coup, je vais régénérer avec l'item Bulma, mais je sais pas si du coup ça va annuler mon passif. Je sais pas si ça intervient avant ou après, en fait, au début du tour. Je sais pas. Est-ce que ça a considéré que c'est intervenu avant? Je crois que ça a considéré que c'est intervenu après le début du tour, hein, je crois. Bon, je vois les valeurs, mais je suis pas sûr. Hein. Non, ouais, il a pas lock, il a... Enfin, il m'a bloqué l'aspect, quoi. Il m'a bloqué l'aspect... 768? Non, je crois que ça a été... Bon, de toute façon, on va vite le voir, mais... Ah, il a changé les keys, j'ai... Putain, voilà, la fatigue... Bah non, bah c'est bon, alors bah ça c'est cool du coup, parce que du coup ça ne fout pas en l'air notre truc. Bon là, c'est quoi frérot, de toute façon tu feras rien, donc on va laisser juste les deux petits ki à Gohan. Et on est parti. Bon, Vermouth, tu veux pas mettre une spé frérot, qu'on voit un peu, parce que là on se fait un peu chier, 7 millions, ok on est bon. 7 millions, donc c'est bon, c'est ça ne... Ouais, ça c'est bien intervenu après.
Vas-y, mais frérot, elles sont où les spé là? Mais frérot, on se fait chier. Vermouth, il t'arrive quoi? T'es fatigué? Il est fatigué? Mais je sais pas ce qu'il fait. Mais... bon, là, par contre, c'est mort. On est au-dessus des 88%. Mais il est fatigué, les gars. Je sais pas ce qu'il a. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on a deux ki rainbow. Goten qui prend les deux petits ki. Très bien. Ah, l'aspect avant que j'attaque. Alors, intéressant. Je prends combien? Ah oui, bon, 200k, mais avant l'attaque. Avant l'attaque. Avant l'attaque, voilà. C'est pas... sur, évidemment, on est en neutre, évidemment. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais bon. Avec en plus un perso super... enfin bon, en gros, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas grand-chose, hein, je veux dire. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Bon bah les amis, alors je sais pas si on a encaissé assez d'attaques, j'avoue que j'ai pas trop fait gaffe. Oh, la double SP de Vermouth, c'est pas cool ça. Alors, d'un côté, ce qui vient de se passer, ça illustre bien, c'est que Goten a pris tout autant que Majin Vegeta, ça en dit long quand même. Alors que j'ai l'avantage. Bon, alors le problème là, c'est que ça m'étonnerait qu'on kill avec l'active skill et après derrière on va se retrouver à 1 PV. Mais bon, bref, au point où on en est, hein, la passion n'a pas de limite, c'est pas grave. Enfin, on va pas régénérer tant que ça, les gars. En fait, c'est dommage parce que du coup, on a notre def instantané et tout, mais. Mais non, mais on va pas régénérer tant que ça, hein. Faut pas croire. Ce hein. Sera pas suffisant. Hein. Ouais, vous voyez, 100 000 PV, bon, oui. Alors, évidemment, si me met pas de spé, c'est ok. Bon, allez, on l'attend, de toute façon, on s'en fout. Ouais. Là, je mets un item, mais on s'en fout, on passe. On l'attend. On l'attend, les gars, on l'attend. On l'attend, c'est pas grave, de toute façon... De toute façon, le sujet est clos, hein. Vous avez vu ce que ça a donné, hein. Le perso prend que dalle. Voilà, même en neutre, le perso... petite esquive, Vermouth ? Non, pour le suspense. Donc voilà, vous êtes de retour, les amis, vous avez vu le gameplay, donc... Que dire ? Le perso est intouchable. Alors si, un peu avant d'attaquer, mais sinon... Et encore, quand face à Vermouth, j'ai pris 200 000, c'était le mien sans doublon, qui n'avait pas encore attaqué. Enfin voilà, c'est... Non, c'est vraiment exceptionnel, hein, les amis. Hein. Excellent personnage, hein, plus défensif. Oui, bien sûr, encore une fois qu'offensif, mais... ouais, d'accord, mais bah, en même temps, au cas où, il faut le rappeler, la défense est plus importante que l'attaque dans Dokkan. Hein, c'est comme ça, donc c'est un très bon personnage. Alors, en red zone, bon, il n'y a pas la raison encore sur la globale. Je ferais peut-être une game en jouant Vegeta 4 LR dans mon côté. Mais sachez d'ores et déjà que ça a déjà été fait, parce qu'il y en a des one, ils tryhardent comme des fous. Et il y a déjà eu des tweets où des mecs ont passé tous les niveaux de la red zone en double Majin. Voilà, donc si jamais vous l'avez droppé, et bah dites-vous que vous pourrez, hein, voilà, à l'anniversaire, faire toute la red zone. Alors après, évidemment, j'imagine quand même que le perso, enfin le mec qui a fait ça, bon bah il devait avoir quand même des teams quand même assez, assez intéressantes avec peut-être du doublon, etc. Mais tout ça pour dire que le leader de Majin Vegeta, bon, vu que vous ayez quand même un certain nombre de personnages, bon après on va pas faire de magie. Eh bien, vous pourrez passer la red zone entièrement en double Majin. Donc, c'est vous dire à quel point c'est OP. Hein, voilà, c'est quand même assez clair. De toute façon, dans la vidéo, là, je vous ai donné un exemple. Hein, mais l'aspect de Broly, Majin Vegeta, dans les meilleures conditions, peut la tanker. Et quand je dis la tanker, c'est pas prendre 300-400k. Hein, là, c'est tanker, c'est 100 000 à tout casser, voire 0 s'il double SP. L'aspect est à 1 million 3, je rappelle. Hein, donc, vous vous rendez compte du potentiel de ce perso à prendre aucun dégât. C'est vraiment impressionnant. Sachant que là, le 1,3 million, c'est le max. Hein. Après,
C'est-à-dire que l'aspect carnage qu'il y a avant, il va la tanker très facilement, etc. Enfin bon. Donc, c'est vraiment très bon. Évidemment, n'oublions jamais qu'il y a la condition Trunks. Mais même s'il n'y a pas Trunks, le perso est quand même excellent en défense une fois qu'il a attaqué. Et avant, il peut même se débrouiller, contrairement à des persos qui sont vraiment très bons que quand ils ont attaqué. Et avant, c'est vraiment pas bon. Bref, donc, voilà les amis, évidemment, il y aura la mise à jour tier list. Encore une fois, je ferai peut-être une game de mon côté en red zone que je vous proposerai. Mais du coup, évidemment, sur la jab, j'ai pas invoqué. Donc je mettrai Vegeta 4 LR de mon côté, on perd très peu de stats, hein, donc c'est pas très gênant. Et on verra ça, mais bon, spoil, ce sera bien, puisque, encore une fois, il suffit de connaître les valeurs et on sait ce que ça va donner. Donc voilà les amis, franchement, terriblement content de l'avoir eu, non seulement parce qu'en plus l'hype était encore plus élevé, vu que c'est un perso qu'on a en même temps glow-jap, la passion est là, les OST sont incroyables, les animations sont magnifiques. Que dire, un de mes persos favoris, et pourtant je suis pas forcément ultra fan de Majin Vegeta de manière générale, mais bon, évidemment, ce moment clé, évidemment, la passion est là, et franchement, là, c'est vraiment là, un plaisir de l'avoir eu, donc voilà, c'est très cool. On va cesser là-dessus, plein de tests arrivent, puisqu'on va retester plein de persos sous le lead à 200%, pas tous les persos, ça n'a aucun intérêt, mais certains persos qui vont vraiment prendre un up assez intéressant hein, dans le genre, et il y en a quand même pas mal, hein, Donc, pluie de tests incoming la semaine prochaine. Bon, sur ce, les amis, passez tous une très très bonne journée. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous, à très bientôt. Salut !